Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Eurotruck 2 pour notre tuto numéro 3. Oui, enfin, sur la gestion de l'entreprise. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre, oui, on va enfin avoir notre ensemble. Alors là, j'ai fait une petite cargaison et je me suis dit, voilà, j'ai dit, pourquoi pas commencer, arrêter sur votre côté parce que sur l'écran, vous voyez, donc à droite. Donc à gauche du camion ou à droite, on a l'entreprise à côté. Voilà. Et du coup, j'ai changé donc la voix. Du coup, on est avec la voix de Michel. Et le truc qui avertissait, donc la voix, c'était la voix qui avertissait l'excès de vitesse. Il disait vous êtes en excès de vitesse, je sais plus quoi. Maintenant, c'est un bip, un petit son. Voilà. Donc Wally Wallou. Donc aujourd'hui on est avec un petit Renault Magnum. Donc là on a quelques centaines de mètres à faire. Et j'ai pourquoi pas commencer en faisant une petite manœuvre à l'arrivée du chez le client. Voilà. Donc aujourd'hui, désolé si la vidéo s'arrêtait brute. Parce que comme un con, oui, comme un boulet, j'ai arrêté la vidéo sans faire exprès. Donc là aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu courte, un petit peu longue, ça on verra bien. Donc on va être en milieu extérieur, donc le son va être fort. Voilà, on va se mettre vue d'intérieur. Voilà, on est dans un Magnum tout frais. On va se mettre le petit GPS alors qu'on n'a pas besoin. Donc voilà, je suis arrivé, hein. Je vais allumer le truc. Voilà, donc hop. Donc là on est avec un 480. Vous voyez que l'argent, j'ai gagné pas mal de choses. Oui, parce que j'ai laissé tout ça. Parce C'est que ici que ça se termine. voilà. Donc on va choisir notre truc, notre cargaison. Donc c'est un petit 480 qui tire bien. Voilà, si vous voulez savoir le nombre de kilométrages qu'il a, 67 000. Donc là, désolé du bip, hein, c'est l'alerte. On va reculer. Reculer. Allez, c'est parti. Alors, je parle pas trop parce que je suis concentré. Donc, si vous voyez des petites coupures, c'est normal. C'est que je fais des coupures parce que des fois c'est long le jeu, il bug et puis il revient. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai 40 000 plus les 2 000 qu'on va gagner de la cargaison. Alors pourquoi j'ai autant d'argent? C'est normal. J'ai un message. Alors vous, il faut avoir le DLC spécial transport. Pour avoir ce DLC-là. Ah bon, on n'est pas arrivé au niveau comment ça s'appelle? Niveau 6, c'est pas grave. Et donc et qu'est-ce que je dis? Et donc pour ce et donc vous n'avez pas ce genre de message. Et moi je l'ai eu. C'est pour transporter des chargements très très lourds. Alors pour ceux qui ne savent pas spécial transport,
C'est des chargements plus lourds que Heavy Cargo, oui, parce qu'il y a un autre DLC qui s'appelle Heavy Cargo. Sauf qu'à la différence de Special Transport et Heavy Cargo, vous n'avez pas de véhicule devant ni derrière, alors que Special Transport, oui. Donc c'est pour ça. Donc j'en ai fait deux qui gagnent 10 000. C'est intéressant pour le début. Vous verrez 10 000 euros. Alors que je touche à peu près 3 000, entre 3 et 4 000, voire un peu moins, sur chaque cargaison. Voilà, donc vous voyez que on a 43 000, on s'est fait 41 000 euros. Hein. Donc on va regarder les mails, et oui, son passage du camion. Donc je n'ai rien touché, on a juste vu ces deux. Quand j'ai reçu ces mails, et ben je les ai mis de côté. Donc voilà. Alors, besoin de chauffeurs avec leur propre équipement. Donc ça c'est un mail de Whitnet Transport de Nantes, où on est déposé en train de. Alors c'est notre cargaison. Donc des fois vous aurez une entreprise qui va se proposer, etc. Je vous lis tout ça. Avis aux personnes concernées. Nous recherchons des conducteurs expérimentés posséder leur propre camion pour un grand nombre de livraisons. Nous offrons un salaire attrayant de 5 200 euros par mission si vous possédez votre propre véhicule. N'hésitez pas à vous renseigner directement à notre dépôt à de Nantes, Winnet Transport de Nantes. Non. Alors c'est avantageux au début, parce que là on touche 3 000 comme je vous ai dit, les cargaisons de spécial transport c'est plus intéressant tout au début de la carrière quand vous avez ce déblocage-là, et si vous avez le DLC. De toucher 10 000 parce qu'au début c'est 3 000 hein, comme on a dit. Donc si vous n'avez pas laissé de transport, c'est très bien d'avoir ce genre de truc. 5 200 euros, c'est très bien. Mais plus vous avez évolué, moins ça va être intéressant de toucher cette somme, sachant que d'autres cargaisons vous allez toucher peut-être 10 000. Moi je vais vous dire, sur une des cargaisons, je touche plus de 70 000 euros. Donc ça me coûte tous mes frais, je suis tout bénéf. Enfin, voilà. Donc on va voir le deuxième, le quatrième lettre qui concerne si vous avez le DLC spécial transport. Donc transport exceptionnel. Bonjour patron, donc ça c'est cool, on n'est pas officiellement patron, comme je l'ai dit. Là on va être patron aux alentours de 75%. Parce que là on était à 50% parce qu'on avait que le dépôt. Là on va voir l'ensemble, donc c'est pour ça qu'on est au niveau 50. À niveau 5, je dis une connerie, et donc on sera à 75%. Donc, bonjour patron, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Grâce à votre réseau, nous pouvons maintenant obtenir des vrais défis. Quelques cargaisons spéciales extra larges et lourdes doivent être transportées par un vrai professionnel. On est toujours professionnel, hein. Ce ne sera pas facile et nécessaire certaines compétences de la patience, de la coopération avec les véhicules pilotes et aussi qu'une prudence supplémentaire. Mais je suppose que vous possédez déjà tout ça, non? Aussi avec du gros risque d'écoulement et plus gros profit. Comme voilà ce que résume un petit peu le début de la phrase. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, vous pouvez visiter les villes Lynx, Trelleborg, Nice. Voilà, vous verrez, il y a toutes les villes ici. C'est très intéressant parce que je vais vous montrer. Parce que regardez, il y a l'autre. Voilà, on a la banque. Je vais vous montrer en mission rapide. Ouais, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. On est à combien de minutes de vidéo? Que je regarde un petit peu. Ah, 9 minutes de vidéo. Alors, là, vous avez rien. Vous n'avez pas spécial transport. Alors, vous n'en êtes pas. Non. Mais dès que vous en avez, ça coûte 10 000 euros. Ah aussi, je vous ai oublié de dire, les contrats externes, c'est aussi maintenant en marchandise. Hein, je vous avais oublié de dire ça, c'était depuis la mise à jour 1.35 qu'on a ce nouveau logo. Voilà, j'avais oublié de vous le dire autrefois, fois, qu'il y avait ça de nouveauté aussi. Et là, ce qui est intéressant, et je pense que ça va nous aider, c'est nous pouvons vous aider à vous développer.
Voilà. Bonjour, Madame, Monsieur, nous ne pouvions nous empêcher de remarquer la régularité de votre revenu et nous aimerons vous aider à développer davantage votre potentiel. Votre plafond d'emprunt a été augmenté à 500 000 euros. Donc 400 000 plus 100 000, ça fait 500 000. Mais après, vous pouvez faire des tranches comme je vous ai dit. La vidéo précédente, vous aurez juste à la voir de précédemment. N'hésitez pas à retirer la somme disponible et nous en tout moment dans votre banque locale. Respectueusement, le responsable d'agence banque. Donc ici, là, si vous ne savez pas le nombre que vous pouvez emprunter, c'est ici. Donc là, 10 000, comme je dis, 50 000, voilà, 400 000, voilà. Et ça, donc, c'est ce qu'on va faire, 50 000. Alors, vous avez vu aussi que dans une petite nuit, c'est 2 heures du matin. À chaque fois, ce qui est un truc qui est bien, c'est que les concessionnaires ouvrent de 8 h à 18 h, sauf le dimanche, d'accord? Et donc, si vous n'avez pas de camion, vous pouvez aller directement chercher votre camion, d'accord? Et ça va vous aider, que vous allez reprendre une mission rapide ou votre propre camion, ça va vous remettre à 8 h. Par contre, si vous êtes dans la tranche de 8 h à 18 h, des fois, il ne remettra pas à 8 h si vous n'avez pas dépassé 18 h. Voilà. Vous verrez bien. Donc là, on est chez Man. Alors aujourd'hui, j'avais dit, je crois que le premier épisode, on était sur le nouveau Euro 6, donc Man TGX Euro 6. Je vais prendre l'ancien. Pourquoi? Je vais prendre l'ancien. Mais d'avant, je vais prendre juste 400 000 euros. Ne prenez pas 100 000 euros et 400 000 euros. Pourquoi? Parce que vous aurez, si vous cumulez par jour, on va dire 3 000 euros plus 6 000 euros, ça vous fait 9 000 euros par jour. Donc il faut avoir des revenus de 9 000 euros, sachant que nous on touche 3 à 4 000 euros. Mieux vaut se contenter d'un petit chèque de 400 000 euros. Pourquoi? Parce que on aura pas mal. Au début, on a galéré, mais après, dès que les revenus vont être bons, c'est voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre l'ancien man. Le nouveau, je le prendrai pour une autre fois. L'ancien, je vais le garder, rouler avec, et dès que les moyens se pourraient, on puisse donner notre ensemble à un chauffeur. Oui, là, on va parler des chauffeurs. Et après, nous avons tout ce qui est côté, et nous on aura notre propre, on aura notre camion à nous. Alors il faut savoir que si je peux vous montrer une nouvelle pièce, sur toutes les marques j'ai débloqué pas mal de choses, hein. Là voilà, des peintures, des skins, etc. Là, je vous montre, c'est la même chose, à peu près la même chose. Ça dépend, il y a des fois des camions qui ont un peu plus de choses à certaines marques. Des trucs un peu plus à qui ont à débloquer. Voilà, pareil pour les remorques, hein, si vous voulez voir, je sais pas ce que c'était, mais à mon avis je me suis planté. Ouais, ça c'est les images de photos. Voilà, et oui, bah, et ça voilà, ça c'est tout ce que j'ai débloqué. Schwartmüller, c'est pareil. Pareil, ouais. Vous pouvez voir ici, comme je vous l'ai dit, là ça sera le réglage de votre camion quand vous en aurez un, et vos dégâts de camion. Et même, comme je vous l'ai dit, si vous avez des camions en mission rapide, vous pouvez voir la puissance. Donc nous, on va s'intéresser, comme on a à peu près 450 000, on va s'acheter notre camion. Donc vous allez dans vendeur de camion, on va aller chez Man. Donc voilà, c'est marqué du lundi au samedi 8 h de 18 h. Voilà. Et c'est fermé dimanche. C'est sur tous les magasins, hein, vous regardez. Voilà. Alors, il y a aussi un autre truc aussi. Parce que vous voyez que je suis comme ça et je clique sur visiter le concessionnaire sélectionné. Pourquoi? Parce que si je fais acheter en ligne
Il va me dire qu'il faut au moins avoir acquis 5 camions. Il faudrait au moins acheter 5 camions. Donc là, je suis obligé de faire visiter, acheter. Voilà. Après, si vous avez acheté 5 camions, vous avez besoin de visiter le concessionnaire sélectionné et vous avez juste à acheter en ligne et ça va plus vite. Bon, moi, je vais faire comme ça. On va aller à Calais. On va aller à Calais. Donc la vidéo va être longue et courte. Voilà. Alors, on vous fait regarder ce qu'on a débloqué aussi. Hein. Alors, tout a changé, hein, je veux dire. Tout voir. Donc, si vous avez tous les camions, vous pouvez tout voir les camions de votre flotte. Vous pouvez personnaliser. Vous pouvez faire reprendre votre ancien camion contre le nouveau. Ça, c'est cool sur toutes les marques. Hein. Vous pouvez l'acheter directement. Vous pouvez. Non. Là, vous pouvez offre d'origine. C'est si vous voulez regarder. Voir les autres d'origine, je crois. Je sais plus, voir d'autres camions. Donc là, alors on a débloqué. Donc on a, de toute façon, celui-là il est toujours débloqué. D'accord. Celui-là aussi est toujours débloqué. Lui c'est niveau 12, niveau 14, niveau 12, niveau 14, niveau 14, niveau 12, niveau 18, 14, 16. Alors ça c'est nouveau man TGX 20. Ouais, donc après, ouais, donc on va se prendre celui-là. On va le personnaliser. Alors, mes camions vont être simples parce que couleur, je vais mettre blanc. Pourquoi? Alors, vous faites comme vous voulez. Je vais mettre sélectionner ça. Je vais faire oui, sélectionner. Pourquoi je les mets blanc? Parce que je vais mettre des bâchées blanches. Pourquoi? Parce que je vais faire une seule flotte de véhicules à moi possédant la couleur. D'accord? Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais je peux changer. Ce qui est bien, c'est que je peux mettre des véhicules que je veux. Si vous êtes que Iveco, vous êtes Iveco, etc. Scania, etc. Vous faites que ce que vous voulez. Si vous voulez une seule marque, moi, ça sera un peu toute marque, à peu près. À peu près toute marque, hein. Parce que là, on va être chez Man. Donc voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses, hein, mais après, plus je vais évoluer, plus je vais débloquer le niveau, plus j'aurai des trucs. Donc là, ouais, on transporte un 360 chevaux. C'est pas. Je vais mettre en retardé, par contre. Vous voyez que ici, vous avez le prix d'origine. Donc ça, c'est camion. Coût d'additionnel. Donc voilà, c'est ce que je rajoute. Et nouveau total, c'est le total de ça plus ça qui me donne le total de mes dépenses. À mon avis, l'intérieur, ça va être ça parce que j'ai pas débloqué l'autre. Couleur, on avait dit. Non, je vais faire intérieur. Intérieur. Après, vous personnalisez comme vous voulez. Le volant. Là, je vais mettre un petit GPS. Voilà. Je vais mettre un petit GPS. Là, je vais mettre oh, des petites lunettes. Ici, je vais mettre. Alors, désolé, ce que vous voyez. Je vais mettre le. Non, je vais mettre le portefeuille. Moi, j'aime bien toujours mettre le portefeuille sur les camions. Le petit téléphone. Après, si vous avez des modes, vous mettez des modes. Hein. Et la petite. Voilà. Ici. Je mets deux, trois petits trucs. Alors, ici, je vais mettre. Voilà. Vous pouvez mettre man. Je n'ai pas beaucoup de personnalisé. Je vois un petit peu ce qu'il y a. Voilà, Schwarzmüller si vous voulez. Ici, je vais mettre ça. Et là, alors je pense que ça va être tout. Ici, je vais mettre un petit sapin. Alors des fois, si vous voyez Steam, c'est des petits items que vous pouvez gagner en faisant des events sur World of Truck. Je vous le dis, un petit truc rouge. Voilà. Et moi, je mets toujours la petite glacière. Et comme je suis patron,
Qui dit glaciaire dit le petit PC, parce que je voyage, mais j'ai envie que mes ouvriers. Voilà. Ah, voilà, on a débloqué pas mal de choses. Donc, on va faire extérieur. Extérieur, je vais commencer. Voilà. Ça. Je vais mettre ça. Je vais mettre. Voilà. Et je vais les garder comme machin. Ici. Je sais pas. Je vais mettre comme ça. Le prochain camion, je le ferai un peu plus personnalisé. Vous inquiétez pas. Quand j'aurai tout débloqué. Bon, je vais laisser comme ça. J'ai que ça. On va laisser comme ça. Et massif d'af. Enfin, je vais mettre ça. Pareil devant. Je mets des pneus Michelin. Pourquoi? C'est pour la consommation de carburant. Voilà, pour que mon camion consomme encore moins de carburant en volant. Non, désolé, je suis un petit peu. Hop. Alors, faut savoir que j'ai rushé, j'ai avancé sur la partie. Il y a. Bah, quand j'ai fait l'épisode 2, bah, le tuto numéro 2, le tuto numéro 2, et ben, tout de suite après, j'ai avancé jusqu'à niveau 5, et après, j'ai plus touché au jeu. Wally Wallou. On avait dit celui-là. Voilà, donc on va se mettre des rangers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Bon, les poignées. Désolé si vous entendez des bruits extérieurs. La petite barre. Voilà. Non. On va se mettre ça. Et on va se mettre ça. On va se mettre. Alors, vous voyez, j'ai des LED. Je vais mettre ça. Alors, sur la vidéo, je vais essayer qu'elle ne dure pas trop longue. Voilà. Voilà. Merde, c'est pas ça. C'est ça. J'ai bien mis les bons. J'ai mis les bons. On retourne. Ici. Bon, ici, on va faire quand même un joli camion. J'ai pas. Ouais, j'ai pas les. Bon, on va se mettre deux petits Michelin. Parce que j'ai aussi des essais Michelin. C'est pour ça que vous voyez les pneus A, c'est les pneus. Que j'ai mis, c'est aussi des DLC, hein, donc non, je voulais mettre celui-là. Ouais. Je fais quand même un petit camion personnalisé. Ici, je vais mettre je vais mettre. Bon, allez, on va mettre le nom du truc. Voilà. Et là, je vais mettre. Et voilà. Alors, fais voir si c'est bien fait. Oui. Ici. Non. Ici. Non. Ici. Non. Non. Bon, là, on avait dit. Alors, des fois, quand vous avez des scanners, des trucs comme ça, vous pouvez mettre plus de choses. Ouais. Je vais essayer de. Voilà. Là, je vais mettre celui-là. J'ai quoi en trompe? Bon, on va mettre ceci. Il est pas du camion, pas? Ouais, il dépasse un petit peu du camion, mais voilà. Ça fera l'affaire. Pour aujourd'hui, ça va faire l'affaire. Alors, mes camions, je les équipe toujours de gyrophares. Donc, je pense pas que j'ai. Merde. C'est pas grave. Il y a un petit peu des insultes aujourd'hui. C'est normal parce que j'enlève des trucs.
Ici, j'ai rien. Ici, j'avais quelque chose, pas. J'avais des trucs. Non. Non, j'ai pas les. Parce que j'ai différents gyros. Et je pense que c'est tout bon. Voilà le petit camion qu'on a. Un petit 320 chevaux, c'est ça? C'est-à-dire un petit 320 chevaux. Donc ça nous fera un camion à 150 000 euros. Blanc. Pour commencer. Voilà. Un camion blanc. Ça va être notre camion. Le GPS est mis, il y a tout. J'ai mis deux, trois petites décos. Le petit sapin. Voilà. Des fois, il y a des camions qu'on peut personnaliser plus de choses. Mais pour ça sera bon. Donc on va acheter notre camion. Merci d'avoir acheté votre premier camion. Donc oui, c'est le premier. Chez nous, revenez nous voir. Et c'est ce que je vais faire après, plus tard. C'est que voilà. Alors il va nous rester de l'argent. Alors j'avais prévu d'acheter un autre ensemble, mais comme ça coûte cher, comme celui-là, et ben du coup je serais obligé d'avancer moi-même sur la partie. Donc avancer moi-même sur la partie. Et de pouvoir la possibilité d'acheter un autre ensemble. Et celui-là, bon voilà, donc j'aurais pas les moyens parce que si j'achète le camion, la remorque, le camion vient nous coûter pas mal. Donc si j'achète la remorque, ça va nous coûter pas mal. J'ai pris qu'un prêt. J'aurais pas assez de moyens pour. Et en plus, j'aurais assez de moyens pour acheter la remorque. Voilà. Donc, le jeu, je sais pas ce qu'il a. J'en sais rien ce qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, il veut faire son feignant, non? Ouais. Donc, ce qu'on va faire. Alors, vous avez toutes les infos si j'avais oublié sur le côté. Si vous voulez voir. Il fait 1250 litres. Je sais pas si vous voyez en même temps que moi. Hein. Donc, vous voyez un petit peu toute la config. Ça fait 27 minutes déjà. Donc aujourd'hui ça va être que ça, hein. Donc une vidéo peut-être, voilà, elle fait 30 minutes. Ouais, 30 minutes. Ouais. Donc ce qu'on va faire, je vais faire une cut ici. Et on se retrouvera tout à l'heure. Donc voilà, donc là vous avez la petite animation, bon elle bug un petit peu. Voilà, vous avez une animation comme quoi il montre le dépôt et le camion. Voilà, il montre le camion. Donc il est blanc, hein, il flash. Alors désolé, les petits coups de lag. Après, vous pouvez appuyer sur échappe, hein. Moi je vous laisse l'animation. Donc voilà le petit beau camion qu'on aura. Donc voilà, on est dans notre camion. On est dans notre camion. Je vais faire des petits réglages. Oui, parce que vous pouvez faire des petits réglages rétro. Alors moi je vais mettre mes rampes. Voilà. S'il veut bien. Alors, c'est le siège qui est trop reculé. Ouais, c'est le siège qui est trop reculé. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Le siège qui est trop reculé.
Après, pour régler. Ça va être cool. Donc, on peut enlever cet affichage là et on va acheter notre remorque. Alors, ça va être simple, sachant que j'ai pas beaucoup de limites débloquées, donc j'ai pas beaucoup de têtes d'accessoires. Mais je pense que la remorque, ça va être simple, très très simple. Donc, je vais prendre alors. Voilà pourquoi j'ai arrivé niveau 5, parce que on débloque les remorques. Donc on peut acheter toutes les remorques. Voilà, avec les moyens que vous avez. Voilà. Donc, vous faites achat de remorque. S'il veut bien. Voilà. Donc là, vous avez standard. Et vous avez les crônes, comme j'ai dit, et vous avez les charmeurs qui sont rajoutés. Moi, je vais prendre une petite standard. Je vais personnaliser. À mon avis, je suis sûr que le châssis, je l'aurai pas. Non. Non, j'ai qu'une deux essieux. Je vais laisser blanc. Ici, je vais rien mettre parce qu'il n'y a rien. Ici, je vais rien mettre. Ici, je vais rien mettre. Ici, je vais laisser comme ça. Ici, je vais rien mettre parce que je peux pas. Ici, non. Ici, non. Ici, non. Ici, non. Ouais, donc c'est une remorque très simple. On va l'acheter 33 000 euros. Acheter. Et là, vous sélectionnez le garage que vous voulez. Vous voyez, voilà. Si le jeu veut bien. Voilà. Et là, vous faites OK. Oui. Et voilà. Donc, il nous reste de l'argent. Donc, ça nous fait 180 000. Vous voyez, on va voir. Voilà. Après, vous refaites ça parce que j'ai oublié encore un truc. Si le jeu veut bien. Allez. Bon, ce qu'on va faire. Vidéo. Ben, je vous en fais de ces vidéos de TS, mais différemment. Alors, là ici, vous avez tout ce qui concerne votre entreprise. Donc, Pôle emploi, si vous voulez, si vous avez des camions, il faut avoir des camions pour embaucher des chauffeurs. Vous avez tout au garage et vous pouvez savoir tout. Vous avez la gestion de chauffeurs, donc tous les chauffeurs, vous pouvez tout faire. Ça, je vous montrerai. La gestion de remorque, la gestion de camions. Donc là, vous avez tous vos camions. Vous pouvez tout savoir et tout, les repeindre, les vendre, les améliorer. Gestion remorque, c'est la même chose. Donc, nous, on a notre bâcher. On a tout, on peut la vendre et tout. Si vous voulez que vous voulez l'utiliser, vous l'utilisez. Si vous voulez pas l'utiliser, vous l'utilisez au parking. Et si vous avez tout ce qui concerne votre remorque. Ici, c'est si vous voulez la rendre privée. Si vous la rendez privée, c'est que pour vous. Et si vous voulez l'améliorer, vous l'améliorez. Voilà. Nous, on va l'utiliser. Voilà. Voilà, donc là c'est moi avec mon logo et c'est mon camion. Voilà, vous avez toutes les informations ici. Voilà. Donc vous avez même aussi les graphistes. Donc c'est tout la productivité de la remorque. Donc là, mes camions, comme j'ai dit, vous savez tout.
Pouvez savoir le oui quel dépôt il est et qui le prend. Voilà, et ici tout ce qui concerne quand vous sélectionnez une ville, vous pouvez tout savoir. Donc vous pouvez savoir l'améliorer, voyager, vous pouvez voir les chauffeurs et cliquer dessus. Donc voilà, après vous avez d'autres informations, etc. Et ici vous avez tous vos revenus. Donc là c'est les revenus. Maintenant du camion parce qu'on n'a pas de camion, c'est le chauffeur parce qu'on n'a pas de chauffeur, carburant pour les chauffeurs, donc ça compte moi plus les chauffeurs, mais comme je viens juste d'avoir camion, donc voilà. Donc profit 41 en 7 jours, statistique sur les derniers 7 derniers 10 jours, et là c'est profit par jour. Donc voilà, vous avez tout ce qui vous concerne votre entreprise. Voilà. Donc après, vous faites conduire. Voilà. Après, vous avez donc ça qui est venu. D'accord. Et après, vous avez, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Si, il y a garage, mais ça, c'est si vous avez voulu acheter des garages. Achat de garage. Ça, si vous possédez un garage, vous avez acheté un garage et vous voulez l'améliorer. Voilà, vous faites comme vous voulez. Je vais vérifier, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On va démarrer. Donc, ouais, après chaque prêt, vous pouvez regarder chaque camion, tout change et tout. Voilà. Alors, ça lag un petit peu. Donc, voilà. Donc, on va se faire une petite photo. Donc, voilà. Joli ensemble. Donc voilà. Donc sur ce, on va se laisser là pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas à liker ou à disliker ou à partager la vidéo. N'hésitez pas à suivre sur d'autres liens qui sont en dessous de la vidéo dans la description. Hein, d'accord? Vous faites plus et vous voyez. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo. Et puis moi, je vous dis très vite, hein, très très vite, je pense. Oui, très très vite pour une nouvelle vidéo. Ouais. Allez, je vous dis à plus.